par ma friends aujourd'hui, je vais vous présenter Be Surprise, ou Be Surprise, prononcez ça à la française, à l'anglaise, comme vous voulez. Toujours est-il que c'est un produit qui tombe à pic, puisque c'est bientôt la fête des mamans. Qui dit fête dit cadeau, et en général, qui dit cadeau dit emballage. Si, comme moi, vous êtes dans une démarche plutôt éco-friendly, je réduis mes déchets, les emballages en papier tout doucement commencent à vous embêter. Donc, il y a des solutions. Alors, il y a bien sûr les fourreaux chiki, c'est comme ça qu'on prononce. J'ai jamais su prononcer ce truc. Ici, c'est une autre alternative. Ce sont aussi des emballages en tissu, voilà, comme celui-ci avec les volutes rouges. J'en ai un autre. Ce sont des emballages en tissu, mais vous n'allez pas devoir vous prendre la tête à faire des nœuds. Parce que moi, j'essaye même pas en fait. Non, j'ai pas envie de commencer à chipoter pour faire des nœuds. Le système ici est belge. Ouais, encore du local, du made in Belgium. Et donc, c'est un système de pression. Alors, il y a deux modèles. Celui que je vais vous présenter, voilà. C'est le modèle caché. Coucou. Non, il s'appelle pas comme ça. C'est le modèle Bonsai. Il fait 44 cm de côté. C'est une bonne taille. Parfait pour emballer des livres, des CD, des DVD, une encyclopédie. Bon, pas les 10 tomes, hein, mais voilà. Et il y a un modèle plus grand qui s'appelle le modèle Baobab. Et en fait, c'est le double. Il fait 88 cm de côté. Alors, comment est-ce que ça marche? Vous avez un système de pression. Et également une, deux, trois petites languettes dans lesquelles vient s'insérer la ficelle, on va dire, le cordon qui va permettre de nouer tout ça et qui sur lequel se trouvent des pressions également. Alors, c'est simple, hein. Vous choisissez l'endroit où vous allez insérer le cordon en fonction de la taille de votre emballage. Ok, pour cela... Vous avez aussi une pression ici qui se clipse. Donc vous le glissez dans la languette et vous refermez. Super simple. Alors, pour emballer, comment est-ce qu'on fait? On met le motif côté table. Puisque le but, c'est que les gens voient les dessins. On est d'accord? Je vais donc emballer un super chouette cadeau, lecture que je recommande. Voilà. Et rien de plus simple, je vais faire l'emballage comme si c'était un emballage papier, je replie les côtés. Alors, on peut ajuster, vous voyez, si c'est trop grand, on peut replier des petits bords, comme on le ferait avec un emballage tissu, pour que ce soit bien fini. Voilà. Hop, alors. Après, à vous de peaufiner, bon, moi ici, voilà. Une fois que... j'ai tout emballé, je vais devoir jongler, jouer avec le cordon ici. Qui est-ce qui va remplacer le papier collant? Puisqu'on va le tourner autour, tel que la ficelle, pour venir de l'autre côté où il y a les pressions et venir serrer. Alors, à vous de régler la bonne taille. Voilà, je viens de clipser. Et après, je peux refaire un tour selon les besoins. Ou, voilà, par exemple. Et je reviens clipser une deuxième fois. Voilà. Et après, avec le morceau qui reste, selon la taille du cadeau, à vous, voilà, je peaufine encore. Vous voyez, je peux replier encore un petit peu. À vous de faire une petite déco, une petite boucle. Hop. Voilà, je reclipse. J'ai une petite boucle. Bon, ici, je l'ai fait très simplifié pour vous montrer. Mais voilà, vous voyez le résultat? C'est assez joli et c'est super facile à utiliser. Alors, ce qui est cool aussi, c'est que l'emballage qu'on utilise, en fait, va pouvoir être un cadeau aussi. Moi, j'en avais trois, mais là, vous voyez, j'en ai plus que deux. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait mon cadeau une fois à ma maman, je lui ai expliqué le principe et je lui ai dit, voilà, tu as deux, trois possibilités. Ou tu gardes l'emballage et... tu t'en sers à ton tour pour le faire passer dans ton cercle d'amis proches, dans le cercle familial, enfin à toi de voir. Ou bien on le garde et c'est pour se faire des cadeaux entre toi et moi, entre nous. Ou bien je le reprends et il servira à emballer d'autres cadeaux. Ou bien rien que pour tes cadeaux à toi. Voilà, ça à vous de voir.
Moi, j'en ai récupéré, puis ma maman, elle le trouvait beau, donc elle a gardé le sien. Et libre à elle d'en faire ce qu'elle veut. C'est une solution super éco-friendly, zéro déchet et super jolie. Voilà, c'est les emballages Bisurprise fabriqués en Belgique. Je le déballe? Ouais, vous allez voir, c'est aussi simple que emballer. Je déclipse. Hop là! Donc le côté où il y a les languettes, où vous pouvez venir régler selon la taille du paquet. Mais là, moi, je le déclipse même pas. Je le laisse par défaut sur cette languette-là. Mais bon, le jour où j'ai un plus petit, bon, voilà. Je déclipse. Hop. Et puis, ben, voilà, je déplie. Et surprise! Bi surprise, bi surprise. Je découvre mon joli cadeau. Et à vous d'aller découvrir tous les modèles qui se cachent sur son site internet. Il y en a pour tous les goûts, pour les enfants, pour les adultes, pour les romantiques, pour les fashion, à vous de voir. Voilà, je vous laisse mes petits Barba Friends en espérant que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires et à aller sur le blog barbamum.wordpress.com où vous aurez tous les détails au niveau des prix, etc. etc. Bisous, bisous!